ils ont enseigné aux gens des choses qui viennent en second, hein, qui viennent après avoir compris les bases de l'islam. Et c'est ça le malheur des gens qui ont opposé la voie de la clarté et la voie, hein, des prophètes, alayhi salatu wassalam. Tu prétends appeler à l'islam, tu contredis la voie des prophètes. Tu prétends appeler à l'islam, tu appelles à autre que la voie de la clarté, tu appelles à d'autres choses. Tu commences pas par la da'wa au tawhid, la da'wa à la aqidah, parce qu'ils disent, mais non, on veut pas parler d'aqidah, parce que si on parle d'aqidah, on va diviser les gens. Subhanallah. Et si on divise les gens en leur parlant d'aqidah, alors qu'est-ce qui va les réunir? Hein? La nourriture? C'est pas à ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par qu'est-ce qui divisait les gens à l'époque? C'est le tawhid, la ilaha illallah. On a vu des exemples de ça et on va en donner d'autres par la suite. Donc, de commencer par les bases et par la aqidah. Regardez les gens qui sont connus ou qui prêchent et qui sont connus comme étant des prêcheurs à notre époque dans différents pays, que ce soit ici en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Europe en général, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit en Australie, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Regardez ceux qui prêchent à l'islam et qui ne traitent jamais des bases de la aqidah, qui ne parlent jamais de manhaj et qui ne clarifient jamais aux gens ces questions-là. Regardez qui ils sont, vous allez reconnaître tout de suite ceux qui sont sur la voie claire et ceux qui sont sur autre que la voie claire. Ceux qui suivent autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam.